Ok, yo les potos, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur comment faire une intro YouTube. Donc pour commencer, vous allez aller sur Tube Mat ou donc déjà pour le télécharger, vous allez marquer Tube Mat, pas iOS, juste Tube Mate. Et là, vous avez TubeMate YouTube Downloader 2.4.2. Donc, vous cliquez dessus. Et vous cliquez sur télécharger. Ensuite, une fois que vous l'avez téléchargé, il va vous l'installer. Donc, moi, je l'ai déjà installé. Donc, voilà, j'ai déjà regardé un peu quelques intros. Donc là, on va marquer intro 3D 3D sans texte. Donc voilà. Donc là, j'en ai choisi une. Mais il n'y a pas de texte. Donc voilà, mais celle-là, elle ne me plaît pas. Donc, attendez 30 secondes. Donc, vu qu'elle ne me plaît pas, je vais en choisir une autre. Donc, je vais chercher un petit peu, hein. Intro sans texte, hop celle-là. Donc ça c'est la même maintenant. Mais je n'ai pas. Donc là on va regarder par exemple celle-ci. Là c'est un top, donc non. Hop, intro, celle-là par exemple. Ou celle-là. Donc je sais pas encore laquelle prendre. Tiens, je vais essayer celle-là ici, elle me plaît, je la mets. Donc là par exemple, si regardez, hop, intro Minecraft sans texte, donc moi par exemple je vais prendre celle-ci. Donc il y en a plein, 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 plein. Il y en a énormément. Donc là. Vous voyez. Hein. Ensuite, une fois que vous voulez la prendre. Donc si vous voulez la prendre, vous avez la petite flèche verte en haut. Vous cliquez dessus. Et vous mettez 640 x 360 MP4. Vous faites télécharger. Non. Donc ensuite, vous allez quitter TubeMate et vous allez télécharger Vidéo Show. Donc c'est sur l'App Store. Je vais vous montrer comment je l'ai bien sur l'App Store. Vidéo Show. Donc c'est le premier éditeur vidéo montage. Donc voilà, après il y en a plein d'autres, mais c'est le seul. Donc ouvrir. Vous allez dans édition de vidéo et vous choisissez. Donc là, vous êtes dans vidéo et là, normalement, voilà, vous avez vidéo là 2 et là, j'ai ça. Donc vous faites commencer à la modifier. Donc là, on la lit. Là, on regarde un peu. Et pour mettre votre écriture, vous allez dans modifier, sous-titres, et vous choisissez exactement le moment où vous voulez l'avoir.
Moi, par exemple, je voudrais l'avoir ici. Et je fais le kick du 90. Accepter. Je le mets ici. Et là, hop, je choisis. Hop, accepter. J'en mets un ici. Hop, et là, je fais comme ça. Ensuite, je regarde. Et voilà. Donc, on a plein d'autres effets. Hein. Donc, par exemple, sous-titre encore. Choisis un autre moment. Ce moment-là, par exemple. Je fais encore le guide du 90. Accepter. Et je vais prendre celui-là. Ou celui-là. Il y en a, j'en ai plein d'autres. Hein. J'en ai tellement mis. Mais je vais prendre celui-là. Ensuite, tout ce temps-là. Et là, je fais accepter. Donc là, on regarde un peu. Et voilà, donc ça nous donne ça. Et après, ensuite, vous avez la petite flèche là-haut où il vous demande c'est Facebook, Messenger, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, Line, email ou plus. Donc pour plus, c'est par Wi-Fi, par email ou par message. Donc moi, par exemple, je vais faire par message. Hop. Parce que là, hop, je l'ai raté. Voilà, donc on attend. Okay. C'est pas grave. Donc là, par exemple, coucou, hop, et je envoie. Et voilà. Donc voilà, tout est fini. Pour ça. Donc, bon, la prochaine fois, je vous dis, allez, ciao, abonnez-vous. Et sur ce, bonnes vacances. Et voilà.